Bonsoir à tous. Alors oui, il est tard. Alors oui, il fait peut-être un peu noir, un petit peu sombre, mais le but de cette vidéo, c'est bien de faire une réaction, un petit react à chaud, juste après la fin de la journée du samedi. Demain, ce sera pareil, suite à la journée du dimanche. Donc un react de cette qualif, de cette course, parler peut-être un peu même des essais. Enfin bref, quelle journée, on ressort le t-shirt KTM, c'est parti, on parle de tout ça. Alors oui, on ressort le t-shirt KTM et croyez-moi que si on a des victoires de KTM tous les jours, à tous les grands prix, on va garder ce t-shirt toute l'année et on va jamais se changer. Je vous jure, ça va être incroyable. En tout cas, bien sûr, on sort le t-shirt KTM pour l'occasion. Mais avant ça, parlons de KTM un petit peu. Un vendredi catastrophique, ils sont nulle part. Un samedi, alors catastrophique au départ, pendant la P3, enfin pendant la FP3, KTM, on a du mal à les voir en haut du classement. On les voit même pas en fait en haut du classement. Pendant la qualif, il n'y en a aucun des deux qui passe les pneus soft sur cette piste séchante, cette piste avec beaucoup de pièges, très trompeuse. En tout cas, ils ne passent pas les softs et ils sont... Ben en fait, ils ne pouvaient pas passer les softs en Q1, qu'est-ce que je raconte. Donc en Q1, sur le mouillé, ni Binder, ni Miller, sur une piste mouillée, hein, donc normalement, un environnement où ils se débrouillent plutôt bien, aucun des deux n'arrive à faire performer la KTM. Ils se qualifient 15e et je crois 16e finalement, quelque chose comme ça, les deux. Et donc là, tu te dis, mais où est passée la performance incroyable de Portimao? Où sont les améliorations? Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Bon, et là, enfin voilà, c'était incroyable après. Parlons un peu de la qualif, un petit peu de ce que je me souviens. Je me souviens de tout finalement parce que on commence en qualification en Q1, donc avec très peu de personnes. Parce que je vous le rappelle, on a 4 pilotes qui sont blessés. En tout cas, 4 pilotes qui ne sont pas là. Paul Espargaro pour une durée indéterminée mais longue durée, Marc Marquez, Miguel Oliveira et Enea Bastianini. Ces trois-là devraient potentiellement, c'est pas sûr pour les trois, hein, aucun des trois n'est sûr, mais pourraient potentiellement revenir pour le Grand Prix des États-Unis. Voilà, donc 4 pilotes en moins, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup sur une grille de 22 pilotes, donc on était plus que 18 aujourd'hui, et on avait une Q1 un petit peu vide pour le coup, avec quand même des personnes très importantes, donc les deux KTM qui étaient en Q1, et les deux, la Yamaha de Fabio Quartararo et Alex Marquez. Donc ça, c'est pour les gros noms de la Q1. Et en Q2 est passé Nakagami, est passé Rins, est passé Morbidelli à la fin de la FP2. Et là, c'était incroyable. Je te dis quand même, ces trois-là, ils sont passés direct. Alors que, ça, c'était la grosse surprise du vendredi, j'ai trouvé. Morbidelli qui finit devant Quartararo depuis le début du week-end. Incroyable, même à la course, vous allez le voir. Enfin bref, là, il y a tellement de choses à dire. C'est incroyable. Je sais pas comment on va faire. Regroupons les idées. Parlons de cette qualif. Alex Marquez, parlons-en pour la qualif. Incroyable. Alex Marquez, il est en Q1. Donc, il commence cette Q1 sur une piste complètement trempée. On va pas se mentir, là, c'était les pneus wet obligatoires. Donc, les pneus faits pour la pluie obligatoires. Alex Marquez, qui se débrouille très très bien avec la Ducati. Il passe en Q1 avec Fabio Quartararo qui se débrouille plutôt bien, mais on a vu que c'était quand même chaud pour Fabio plus que pour Alex Marquez. Derrière, on a la seule Ducati qui ne passe pas, encore une fois une Ducati en difficulté. C'est très souvent la même, c'est tout le temps la même, c'est Fabio Di Giannantonio qui malheureusement n'arrive pas à performer, donc il restera en Q1 avec les deux KTM, avec Raúl Fernandez et avec, s'il vous plaît, Juan Mir, mes derniers Juan Mir. Oh là 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 là. Et ce qui est le plus choquant, si vous regardez la Q1, c'est qu'à la toute fin de la Q1, Alex Marquez, il rattrape Juan Mir, mais on dirait que Juan Mir, il roule en moto 2. C'est hallucinant. Juan Mir, nulle part. Il tombera pendant la course. Je sais pas. Là, c'est vraiment la pire chose, le pire début de saison qui doit lui arriver. Je sais pas comment il va faire, je sais pas comment il va se relever de ça, mais Honda, c'est catastrophique. Hein. Donc, pour continuer... La Q2, après, alors je vous annonce, la Q2, c'était très compliqué. Parce qu'on a une piste qui commence à sécher. Donc tout le monde commence avec les pneus wet. Et les pneus wet fonctionnent. Mais à la fin de la Q2, genre à 4-5 minutes de la fin,
là, quelques pilotes rentrent au stand, donc Bezzecchi, Marini, Bagnaia. Bagnaia qui à ce moment-là était dixième. Hein. Donc Bagnaia, il a quand même eu, il a quand même pris le pari de se dire, je tente les pneus slick alors que je suis dixième. Et ça c'est pas mal, ça c'est bien joué, c'est respect, fort 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 fort, très 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 bien. Et ça va payer puisque Bagnaia avec ses pneus slick dans le dernier tour, dans la dernière minute, hein, son dernier tour, comme Bezzecchi, comme Alex Marquez, ils vont tous les trois prendre la première ligne, full Ducati, et Alex Marquez, première pole position de sa carrière en MotoGP, donc un grand chapeau, lui qui venait de la Q1, qui a eu sa moto qui est partie en flammes. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Alex Marquez se retrouve premier après tout ce bazar, après une FP3 pareille, un peu douteuse, où en fait on a eu beaucoup de mal à analyser qui avait vraiment du rythme ou pas, vu que la piste était séchante. En fait, on avait une piste séchante, donc on avait beaucoup de patchs, on va dire, avec d'eau. C'était pas des flaques d'eau, mais beaucoup de zones humides, en fait, finalement. C'était très compliqué pour les pilotes de rouler, de voir qu'il y avait un vrai rythme. Certains ne sortaient pas trop, certains avaient des pneus comme Quartararo, complètement usés. Quartararo, il a fait des tours avec un pneu à 25 tours d'usure. Donc, c'était impossible d'analyser, j'ai trouvé. Et voilà. Et donc, passons à la course, passons à la course, parlons de cette course exceptionnelle. Mais alors là, mesdames et messieurs, mais comment c'est possible? Qui s'y attendait? Alors moi, je vous le dis, au début de la course, je m'étais dit Bagnaia, Binder, et qui j'avais mis... non, Bagnaia, Bezzecchi, et qui j'avais... Je pensais à Vignales, non, je pensais pas à Vignales, justement. Je pensais à Zarco, Marini ou Martine, un de ces trois-là. Alors, parlons de Ducati Pramac, du coup. Zarco, il a disparu de la course aussi vite que je sais pas comment dire, aussi vite que Binder est arrivé en tête. C'était incroyable. Attends, Zarco, il partait donc deuxième ligne, invisible. Directement, il est tombé hors du top 10. Incroyable. Son coéquipier, il n'a pas réussi à se battre pour les premières places. Il était dans ce top 9, top 10 tout le temps. Il n'a pas réussi à se battre pour les premières places. C'est dommage, Martin, j'attendais beaucoup mieux de sa part. Voilà, donc une course incroyable, incroyable, parce que Brad Binder partira 15e sur cette grille de départ et il finira premier. Et il sera surtout premier au bout de 3 tours. 3 tours, 15 places en 3 tours, rendez-vous compte, incroyable. Mais regardez son départ, regardez-moi ce départ, je pense qu'il doit gagner au moins 10-12 places, une dizaine de places, ouais. Au premier virage, un freinage à l'intérieur après un super départ, et il en profite. Bagnaia, Zarco, tout ça c'est un petit peu large. Et il plonge à l'intérieur, mais il garde une ligne super serrée à la corde. Pff, incroyable! Donc, un départ phénoménal de Binder. Et derrière, par contre, c'était un fouillis, un carnage, une bagarre sans nom jusqu'à la mort. Alors, donc on a eu Juan Mir qui est tombé dès le départ, mais lui il était dernier, il est resté dernier. Ils se sont fait bouger les Honda et elles n'ont même pas pu participer une seule seconde. Vraiment. Les Ducati, elles sont toutes parties devant Bagnaia, Marquez, Marini, Bezzecchi, Martin aussi. Donc ces cinq-là, ils sont partis devant sans Zarco ni Di Giannantonio. Ils se battaient comme des fous. Il y avait les deux Aprilia avec et il y avait aussi donc Morbidelli. Et là, Morbidelli, on est retourné en 2020. Pour ses grandes heures, pour ses grandes œuvres. Incroyable. Des freinages défensifs exceptionnels. Regardez la Yamaha, enfin, Morbidelli, comment il se défend sur Marini. Morbidelli, comment il se défend sur tout le monde. Ah, j'y ai cru au podium. J'y ai cru jusqu'au bout. Bon, il y a Bezzecchi. Énorme course de Morbidelli. Binder, qui est, à partir du moment où il était en tête, il est resté en tête. Très, très bien géré sa course. Très bonne course de Binder. Morbidelli, très bonne course. C'est dommage sur la fin où il s'essouffle. Ça se voit. Il n'a pas vraiment le rythme. Demain, c'est mort pour Morbidelli, je vous le dis. Il n'y aura pas de podium, il n'y aura même pas de top 5. Donc voilà. Bagnaia. Bagnaia, il est là. Il fait de la... Alors, il est champion du monde en titre. Il joue des très très gros points, il le sait. Mais il est là. Il est au milieu de la bataille. Il est un des acteurs, un de ces acteurs principaux de cette bataille à Termas. Incroyable. Bagnaia, comme en qualif. Il tente des choses. Bon là, il a un peu perdu sur ce coup-là. Il était beaucoup en bataille avec Alex Marquez. C'est dommage, ils n'ont pas réussi à se battre pour le podium. Ils ont été un petit peu mis en retrait dans ce deuxième groupe. Finalement, il y a un premier groupe qui était le podium et un deuxième groupe qui avait un peu moins le rythme de la
justement quatrième à la septième place, j'ai envie de dire. Et voilà. Les Aprilia se sont battus entre elles toute la course. Maverick Vinales, il lui manquait la moitié de son aileron, mais il a quand même gardé le rythme. Je pense que ça devait être bien compliqué à certains endroits de la piste, sans justement cet aéro à l'avant. Aleix Espargaró, par contre, lui, il est tombé fin du troisième secteur, si je dis pas de bêtises, fin du troisième secteur, début quatrième secteur. Chute d'Aleix Espargaró qui part la faute alors qu'il était dans cette bataille. Voilà. Donc, la course a montré dans toutes les écoles et en même temps dans aucune école, c'est celle de Bezeki. S'il vous plaît, regardez-moi, concentrez-vous sur Bezeki. Incroyable. Je ne sais pas comment c'est possible. Il était premier, dernier, premier, dernier, premier, dernier. Il a doublé je ne sais pas combien de fois dans cette course. Des contacts à n'en plus finir. C'était très agressif. Il a fait tomber personne. Il n'a pas fait une Marquez 2018. Il a fait une Bezeki 2023. Incroyable. Il a doublé que ce soit Bagnaia, Marquez, Morbidelli, Marini. Énorme contact avec Marini dès le départ. Franchement, Bezeki, course incroyable. À ne pas montrer aux enfants parce que c'est très dangereux. Et à montrer à tout le monde parce que ça fait rêver finalement. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette course. C'était exceptionnel. Pour l'instant, les courses de sprint, c'est vraiment la grosse surprise. J'adore. Franchement, c'est du pur bonheur. 20 minutes de pur bonheur. Tu te régales, t'es là devant ton écran, ça bouge, ça double, ça tape, ça frappe. Je sais même plus. Tu regardes à gauche, il y a Bagnaia qui double à droite. Tu regardes Bagnaia qui double, t'as Bezeki qui attaque. Incroyable. Donc moi je pense qu'il faut retenir, c'est cette énorme performance de Bezeki, de Binder surtout, et de Morbidelli. Là on a revu le grand Morbidelli qui va finir quatrième. Hein. Il va finir devant Bagnaia, il va finir devant Quartararo, il aura fini devant Quartararo tout le week-end. Bon, sauf si vous me parlez de la FP3, tout ça, mais bon, on s'en moque de la FP3. Il est devant Quartararo depuis le début du week-end, et ça, c'est. Donc là, on ne peut pas dire que la Yamaha, elle fonctionne pas. La Yamaha, elle fonctionne. Quartararo, il n'a peut-être pas le bon réglage. Je sais qu'il teste différents châssis. Je sais pas. En tout cas, il va falloir trouver pour Quartararo, parce que là, il n'y a pas d'excuse. On a même vu dans la ligne droite, ok, elle est un peu en déficit de vitesse, la Yamaha, comparée au Ducati. Mais franchement, Morbidelli, il compensait par des freinages. Incroyable que ce soit virage 1, 2, 3, 4, virage 4 ou l'avant-dernier virage, Morbidelli très très solide, incroyable, j'ai adoré. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette course. Moi j'ai surkiffé, c'était trop bien. Ça, surtout pendant les 5 premiers tours. Après, c'est vrai que c'était un peu plus calme pendant tout le reste de la course. On a eu Bezeki et Bagnaia qui nous ont fait de l'action à droite à gauche. Mais voilà, Quartararo qui galère, Zarco au fond du trou. Raúl Fernandez, toujours pas en point. Je sais plus quoi faire là. Il performe pas avec la Aprilia, c'est pas possible. Et après RNF, bah, ils ont pas Oliveira, donc bah, pas de point. Voilà. À demain pour une course qui s'annonce exceptionnelle. Le pronostic, j'ai failli oublier. Oh, my bad. Le pronostic, alors, ça va pas être du tout comme aujourd'hui. Je vous le rappelle, mon pronostic, il n'engage à rien. Ne me criez pas dessus si c'est pas bon. Premier. Si les conditions de piste sont sèches, voilà, je le dis aussi parce que s'il pleut, ce ne sera pas du tout ça, je vais tout changer. Premier, Maverick Vinales. Deuxième, Marco Bezzecchi, qui sera encore une fois deuxième à la recherche de sa première victoire. Marco Bezzecchi, troisième, Francesco Di Bagnaia. Voilà, ça c'est mon podium pour demain. Vinales, s'il ne pète pas son aileron, il va avoir le rythme sur toute la course, je vous le dis. Bezeki, je pense qu'il va trop attaquer. Marini, je pense pas qu'il ait le rythme. Morbidelli, c'est ciao. Morbidelli, il va finir, je pense, top 12. Et voilà, il va se faire doubler par les Martins, les Zarco, les trucs comme ça. Enfin bref, et il va finir malheureusement derrière Quartararo. Je m'engage à ça. C'est un peu dommage parce que du coup, on se dit qu'il aurait pu reprendre un peu le dessus, un peu reprendre la confiance de l'équipe. Mais je pense qu'il va quand même finir derrière Fabio. En tout cas, à demain pour voir tout ça, pour voir si j'ai bon ou si j'ai dit n'importe quoi. En tout cas, si j'ai dit n'importe quoi, c'est un peu cool parce que c'est dire que c'est imprévisible. Et si j'ai bon, ça veut dire que j'ai bien analysé, c'est stylé. Enfin bref, à demain. J'espère que vous avez kiffé la course, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si c'est le cas, partagez-la. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faites kiffer d'autres gens, je sais pas. Allez, salut.